Ok, il est 7h10 du matin actuellement. On se prépare en cuisine. On prépare tout ce qui est nourriture. Le matériel est prêt pour aller à Boboyenland pour vous faire visiter le parc. En tout cas, je vais essayer de vous montrer le maximum de choses. Également, essayer de vous emporter avec moi dans les attractions. Pas toutes, bien sûr. Il va faire très chaud aujourd'hui. On va frôler les 30 degrés. Donc en Belgique. Autant vous dire, c'est une énorme canicule. Sur ce, c'est parti. Et voilà les amis, on est enfin arrivé. La route a été longue, mais ça a été dans l'ensemble. Il fait déjà assez chaud. Hein. On est arrivé un peu à l'avance, donc le parc n'est pas encore ouvert. Il ouvre à 10h. Aujourd'hui, exceptionnellement, il va fermer à 18h, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de bien profiter. Là, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de monde derrière moi. En tout cas, on se retrouve eh bien, dans le parc. Ok, je viens de sortir du typhon. Vous voyez là derrière et que ça crie énormément. C'est pas pour rien en fait. C'est extrêmement hardcore. C'est la plus grosse attraction, tout simplement, du parc. En tout cas, à mes yeux. J'ai fait. Je tremble encore un petit peu. Je vous avoue, je sais pas si c'est le fait qu'on approche midi que je commence à avoir faim, mais ça a été super hard. C'est le début en fait. Le début, vous montez à angle droit. Vous descendez du coup en angle droit. Vous avez vraiment l'impression de... Ouais, de chuter dans le vide, c'est un truc de fou. S'ensuit directement un looping. Et là, c'est vraiment été un truc super hard. Allez, maintenant, on va aller voir attraction King Kong.
Ok, tout le monde, on vient à l'instant de manger tranquillement. Maintenant, on va faire 2-3 trucs pour dire de digérer, donc des trucs assez calmes. Là, je suis à côté de l'attraction où on a les pieds dans les airs. On voit qu'on est en après-midi, maintenant ça commence vraiment à devenir assez dur de faire la file car on frôle les 30 degrés, hein, comme j'ai dit en début de vidéo. Le soleil est assez écrasant. Bien ça, Léna, tu te souviens? Oui. La dernière fois qu'on a fait la grande roue, c'était au Luxembourg, une vidéo que j'ai réalisée dans le mois de décembre. Il faisait très très froid. La dernière fois qu'on avait été, on avait même hésité à la faire tellement qu'il faisait froid en hauteur. Ici, je peux vous dire qu'on est heureux vraiment de faire la grande roue car ben, il fait presque 30 degrés. Et on est très très haut. Regardez la belle vue. Alès, un petit commentaire? Non. Il a reçu limite un tsunami sur lui quoi. Vous avez vu sa chaussure quoi, il avait énormément d'eau dedans quoi. Magnifique vue hein, n'est-ce pas? Mes pieds dans le sable, plutôt mes baskets dans le sable. Et là, je suis dans la pire attraction, tout simplement, de ce parc. Une balancelle. Yeah.
rassurez pas peu. Oh non, tout ça non. Oh non. Oh non. Oh non, ce que j'ai sur moi, c'est déconné. La dernière, l'ultime. C'est par jamais. Oh my god. Mais là, tu regardes pas. Pourquoi? Oh, mais là, regarde. Oh putain. Petit tour de monorail, ça dure plus ou moins 20 minutes pour faire le tour du parc. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer les 20 minutes, faut pas exagérer, mais je vais vous montrer les meilleurs passages. Et bien voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura transporté dans la merveille qu'est ce parc Boboyenland. Le temps d'attente dans les files a été pratiquement correct à chaque fois. Moi, je garde un très bon souvenir de l'attraction où on est dans une bouée, où on peut se mettre à 8. C'était juste trop marrant. Alice a reçu énormément d'eau, tout comme l'attraction Indiana River. C'était juste hallucinant, toute l'eau qu'il a eue, il n'a juste pas eu de chance du tout. Le typhon, très 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 grosse attraction. Je cherche là, mais non, elle n'est pas là. Il y a juste la grande roue là avec le petit cœur belge. Car oui, c'est un parc d'attraction en Belgique, si je ne l'ai pas précisé. Oh, filme-les, comme ils sont beaux. On est interrompu ici en pleine fin de vidéo. Je pense qu'il veut passer dans la vidéo, fais-le passer absolument parce que... Lui, il veut passer. Gaga, mais fais pas le timide, hein. Attends, tu vas passer juste sur YouTube. Au niveau du parc en lui-même, il y a vraiment de quoi faire. Au niveau de la nourriture, il y a des desserts, il y a vraiment des hamburgers, il y a des frites, il y a vraiment de tout, des pizzas. Il y a également des glaces, quand même. Mine de rien, c'est la petite touche, mais qui fait vraiment beaucoup, car avec une chaleur pareille, ça fait juste plaisir, une petite glace. On a également un monorail qui fait tout le tour du parc pour bien donner une vision complète du parc. Au niveau des décos, personnellement, j'ai connu mieux en termes de parc d'attraction. Les couleurs sont assez, assez vieillots, assez ternes. On voit qu'elles ont du vécu, les couleurs. C'est vrai qu'une petite touche de peinture ferait assez plaisir. Après, on a des endroits où c'est vraiment bien décoré. Comme il y a un endroit où c'était une ancienne Amérique au niveau du western. Ça, c'était vraiment très, très cool. Mais après, directement, on passe dans un endroit où il y a juste des arbres. Voilà, juste des arbres, des poubelles, rien d'autre. Et quelques bancs. Donc, c'est pas non plus foufou en termes de déco. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Alès qui aura tenu la caméra par moment, qui aura aussi participé à cette vidéo, tout comme Léna qui aura participé également au tournage de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me laisser le petit commentaire, à me laisser aussi vos impressions si vous aussi vous avez déjà été dans ce parc Boboyenland en Belgique. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.